Alors wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est soit cool ou Mike. Et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi final de Sky. Donc quand vous aurez fini 18 défis des défis de Sky, vous pourrez débloquer la variante ombre ou la variante fantôme. Et la mission finale que vous allez recevoir, c'est de trouver Holly de l'ombre à Weeping Wood ou alors trouver Holly du fantôme à Frizzy Farm. Ça dépend de la variante que vous choisirez. Alors Holly, c'est tout simplement le gros poussin que Sky rebondit dessus. Alors Holly de l'ombre qui se trouve à Weeping Wood, c'est un Holly en noir et je pense qu'il se trouvera là où je vous montre dans le gameplay. Alors c'est qu'une supposition parce que tout simplement je fais cette vidéo en avance pour vous prévenir du défi, mais je ne suis vraiment pas sûr de l'emplacement. J'ai cherché un peu partout, j'ai trouvé aucun emplacement, j'ai rien trouvé dans Weeping Wood. Donc le seul emplacement que je pense c'est possible que ce soit entre ces trois pierres. S'il n'est pas entre ces trois pierres, bah alors il peut vraiment être partout dans Weeping Wood. C'est possible que le gros poussin commence à voyager à gauche et à droite dans Weeping Wood et qu'il faudra tout simplement le chasser. Ou alors qu'il sera fixe à un endroit et qu'il se cachera peut-être dans un arbre ou à côté d'une pierre ou peut-être dans un buisson. Je ne sais pas, mais vous inquiétez pas, mes potos sont en train de rush les défis. Et dès que c'est fini, je vous fais une vidéo tuto sur l'emplacement exact de Holly. Alors maintenant, pour ceux qui veulent la version fantôme, elle se trouvera à Frizzy Farm. Donc là, vous allez devoir trouver la version fantôme de Holly qui est tout simplement en vert. Alors là, il va se trouver à Frizzy Farm. Donc là, j'ai aussi un petit emplacement. Je pense qu'il se trouvera dans le petit rond d'arbre, comme vous pouvez le voir dans le gameplay, donc autour de ces trois pierres ou à l'intérieur des trois pierres. Donc voilà, je pense que c'est un petit indice des trois pierres, mais après, peut-être que je me trompe. Ça, c'est mes deux emplacements que je pense. Après, c'est possible qu'il soit complètement autre part. Alors, s'il n'est pas entre ces trois pierres, il peut très bien se trouver dans le champ de maïs de Frizzy Farm ou alors tout simplement autour de la map de Frizzy Farm. Mais comme je viens de vous le dire, ne vous tracassez pas. Dès que j'ai la possibilité de vous présenter l'emplacement exact, eh bien, je vous le montre directement sur ma chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas à liker, à partager et surtout à vous abonner en activant la petite cloche des notifications pour être au courant de tous les défis de Fortnite. Et voilà qui termine cette petite vidéo. Sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était soit cool, mec, et ciao. Peace.